Un deuxième exemple rapide avec les exposants négatifs. Donc voici l'énoncé, on vous demande d'écrire ce nombre en notation scientifique. Par définition, il faut un seul chiffre devant la virgule qui n'est pas 0, multiplié par une puissance de 10. Je vais donc décaler la virgule derrière le 4. Je vais écrire que ça fait 4,03. Maintenant, je compte de combien de rangs j'ai décalé la virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai donc décalé la virgule de 7 rangs vers la droite. Donc pour compenser, je vais multiplier par une puissance de 10. Ce qui est important à trouver, c'est le signe de cet exposant. Comme j'ai déjà décalé la virgule de 7 rangs vers la droite, pour avoir l'égalité, il faut maintenant que je la décale de 7 rangs vers la gauche, c'est-à-dire vers les nombres négatifs. Je vais donc écrire 10 exposant moins 7. Et c'est fini, j'ai bien l'égalité. J'écris ça sur mon cahier, tout le reste, je l'ai pensé de tête.